Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. On commence avec le Normand, les rêves enchantés pour votre guidance pour le mois d'octobre qui est en cours là. On y va avec les rêves enchantés. On va découvrir quels sont les messages pour vous. Ah, il y a une carte qui s'est tournée. Souris, des soucis. Des soucis, des personnes ici néfastes autour de vous. Attention à la dépense aussi, les lions, pour le mois d'octobre. Alors, on y va, cette carte pour les lions, pour le mois d'octobre. Le soleil, la loupe. Et les souris qui reviennent. Hein. Le chien. Cavalier, la nouvelle. Le temps. Et l'amour. Là, on vous parle déjà. Il y a une découverte, une mise en lumière de ce problème. De ces gens-là. Qui en profitaient ou qui profitent de vous ou qui vous ont mis dans une situation embarrassante qui sont là pour recueillir des informations, pour vous trahir, qui profitent hein, de vos biens aussi. Là, il y a une mise en lumière. Vous allez découvrir cette situation ou ces gens-là, ces personnes. On parle d'un ami, d'une loyauté. Peut-être que cette personne va vous révéler cette information aussi. Hein. Et il y a quelque chose qui va être mis en place rapidement par rapport à cette situation pour sécuriser dans le temps, pour la sécuriser, pour faire durer votre sécurité. Hein. On parle aussi de l'amour. Il se peut aussi un message d'un ami lointain, de longue date. Hein, un message, peut-être une amitié qui devient une relation amoureuse. Il se peut, hein, puisque c'est vraiment ça va faire longtemps que vous connaissez ou qui pense à vous. Ça fait un moment et là, il vous envoie un message ou elle vous envoie un message, cette personne-là. Il y a des nouvelles rapides de cette personne que vous avez perdu de vue et ce peut, pour certains, ça peut devenir une relation amoureuse. Pour d'autres, on est à la recherche aussi de découvrir ou de débuter un projet qui vous tient à cœur. Là, vous êtes à la recherche de solutions, du moment opportun pour démarrer. Une loyauté, une fidélité de quelqu'un qui est là, à vos côtés. Et ces souris-là, elles durent, ça fait un moment. Hein. Je pense que là, vous allez vous rendre compte. Voilà les lions. On part avec Keeper pour d'autres messages. Hein. On va voir quels sont les messages d'autres. Révélations pour vous. Pour ça aussi, il se peut que là, vous êtes à la recherche d'une solution aussi par rapport à des soucis, hein, des solutions financières ou autres, hein, pour vous en sortir. Et il y a un appui de quelqu'un pour vous faciliter cette sortie, en fait, d'une emprise de quelqu'un ou de votre problème. Il y a l'aide de quelqu'un qui vous est loyal, qui vous apprécie, qui vous aime, il sera là, à vos côtés. Succès en amour. Succès en amour. Hein. Il y a l'amour, il y a le soleil. On parle bien hein, de la présence d'un amour, hein, d'une passion, d'une affection. Ça peut être amitié aussi, amicale, hein, pas forcément relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi de l'amour d'une amie ou d'un ami. Salon.
Réunion. Maladie. Argent inespéré. Gain exceptionnel. Waouh, jackpot, comme les Capricornes. Communauté. Et peine et travail. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez recevoir de l'argent. Il y a de l'argent qui sera débloqué pour vous. Que vous avez perdu espérance peut-être pour certains moments, une demande à la banque, une aide financière, je ne sais pas, d'un organisme. Mais là, ça vient. Ça a une réponse positive par rapport à ça. Ou une prime, ou une rentrée d'argent. Quelle que soit la forme, d'où elle vient, mais que vous ne vous attendiez plus, ou que vous avez vraiment oublié, hein, tellement que ça a pris du temps. Il y a la communauté, est-ce que c'est la communauté réseau social, est-ce que par rapport à vos choix sur le net, réseau social où vous travaillez au niveau numérique, communauté aussi, ça parle des personnes physiques, votre entourage, une présence de ces personnes-là dans la ligne du gain. Peut-être ils vont rassembler de l'argent pour vous. Hein, il y aura des donations un peu familiales, un peu partout. Vous allez demander de l'aide. On a parlé là de l'aide. Et là, c'est une aide financière. On parle de maladie. Maladie, c'est, je pense, c'est le stress. C'est le stress par rapport à une situation bloquée ou inespérée, mais qui va être débloquée, on le voit là, hein, que vous attendiez pas. Faites attention aussi à la santé. Est-ce que des soucis... il se peut que vous allez aggraver votre situation ou développer une maladie aussi, hein. Donc il faut faire attention, on parle du salon de communauté et peine-travail. Moi je vois ici plutôt, une réunion, ils vont se réunir, cette communauté, c'est vos proches là, qui sont à l'écoute, qui sont attentifs à votre situation. Ils vont faire en sorte de vous en sortir, de vous aider. On parle aussi beaucoup de charges de travail. Une grosse charge de travail au mois d'octobre. Ou grâce à ce gain-là, vous allez développer une activité, une double activité pour certains. Ça va faire une surcharge. Succès en amour. Le soleil, il y a une vraie complicité amoureuse. Il y a de l'affection dans votre relation amoureuse. Ou ça peut être aussi une découverte, une nouvelle relation pour les célibataires. On passe à l'oracle G pour vous, les lions, pour le mois d'octobre, pour des messages complémentaires pour vous. Hop. Et là. Ah, il y a une qui est tombée, je la prends. Et celle-ci. L'éléphant. Cadeau. Surprise. Ah, ça rejoint la maladie. Hein. Et un check-up à faire. Le cœur peut-être, ou les poumons. Faire une visite là. La femme brune. Exclamation. Waouh, sur le gain. Ça arrive rapidement là. Le gain, le jackpot, gain exceptionnel. Et c'est... c'est vraiment quelque chose de inévitable. Point d'exclamation, ça va arriver. Ça rassure. Hein. Oh, c'est certain. Waouh. Pour certains, j'espère peut-être aussi un gain à la loterie. Hein. Se peut. Hein. Et l'araignée là qui va vers le soleil. Heureusement, elle n'est pas vers la lune, elle est dans cette direction. Donc là, on voit plus clairement. Et il y a un craquement, il y a la sécheresse. On va en parler, on va voir. Donc là, sur la lignée, il y a
Cadeau, exclamation, et ce serait ce craquement aussi. Peut-être craquement de la situation. Bon, ça s'ouvre. Mais ça s'ouvre, mais pas sans peine. Hein, parce qu'il y a le peine et le travail, mais ça va être dur. Dur à vivre, dur à réaliser. Ça va demander beaucoup de travail de votre part. Hein. C'est une surprise, c'est un cadeau, une surprise, une belle surprise, un cadeau suite à vos efforts. Hein. Mais ça veut dire que ça se débloque. Vous allez voir le résultat, non, pas le résultat, l'aboutissement en fait de cette attente. Là, c'est comme on est en attente, en attente de quelque chose. Et là, ça arrive. Vous recherchez une solution et ça arrive. Une surprise. On vous accorde cette attente. L'éléphant, succès en amour, soleil. Waouh, ça c'est du solide. C'est du solide. C'est du solide en amour, en votre relation amoureuse, relation sentimentale. Ou votre passion, quel que soit. Vous voyez, il y a des soucis de santé. Aménager, en fait, peut-être par rapport aux charges de travail, le stress que vous avez, ou une maladie à surveiller. On parle d'une femme, et ah oui, une femme, une amie, qui sera là pour vous aider financièrement. C'est une amie loyale, qui est là, qui vous observe, une amie ou une parente, hein. Ça peut être une soeur aussi, hein, ou une mère. Ben, gain exceptionnel, on l'a dit. Et là, petit à petit, doucement, avec le temps, on va vers la lumière. Là, il y a un succès, vous voyez, un succès assuré, mais doucement. Vous tissez votre toile, vous tissez avec le temps. Et prendre en compte aussi votre entourage. Soyez attentif à ce qui se passe aussi dans le réseau, dans la communauté, dans votre niche, si, voilà, comme on dit, hein, dans une niche commerciale. Attentif à ce qui se passe, être à l'écoute, être en veille tout le temps pour aller vers votre succès. Vous voyez clairement aussi, vous êtes dans la bonne voie, hein, dans la bonne voie, mais qui va prendre du temps. Donc, et compter sur les autres. Ouais. Il y a une confiance aussi dans votre communauté. Et on parle de l'amour, peine et travail. Et c'est un travail passionnant, mais dur. Dur à vivre. Dur à développer, mais ça commence. Ouais. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Pour le moment, vous ne voyez pas. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas le gain espéré. Il n'y a pas le résultat espéré. Attendu. Mais il faut être persévérant. C'est avec le cœur. Vous faites les choses avec le cœur. Et ça va aboutir. Ça viendra, mais pas tout de suite. Hein, il faut persévérer. Mais par contre, il y a un gain exceptionnel aussi. Hein, il y a une ouverture aussi vers cette aide ou vous allez voir un succès, une réussite, malgré après cette période de sécheresse, d'isolement aussi. La triade, on continue avec la triade pour les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour octobre? Ah, Alpha.
J'adore ce alpha. Tu. J'adore. C'est un début de tout. Et tout le temps. Il y a toujours un début de quelque chose après une période difficile ou même une période heureuse, mais il y a toujours un début pour arriver à quelque chose. Un nouveau projet aussi. Je suis en train de regarder les formules. J'ai jamais fait attention à les formules, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a le 13, il y a le 16. 13 et 16. Et 8, 25. Ces dates, peut-être des dates. D'août, vous voyez, il y a les doutes. Mutation. Initiation. Ah oui, il y a vraiment un début, vous, un démarrage. Nadir, bah ouais, il y a la pression, hein, la pression, la dépression, racine. Et voyage. Oh. Pour certains, oui, ça parle d'un début, de démarrage, formation, se former, approfondir une connaissance pour ce changement-là. Hein. Peut-être pour certains, Lyon, ça parle d'un nouvel emploi qui demande une initiation, un début. Hein. Avec ce changement, il faut s'accaparer en fait des outils. Il y a une période d'apprentissage, bien sûr. Il y a un doute, forcément, quand on commence, on débute, on a peur. On ne voit pas si on peut arriver. Vous voyez, ça vous mène dans des idées noires, des idées négatives, parce que peut-être vous perdez. Il y a un manque de confiance. Il se peut aussi par rapport à la famille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose qui a très, ouais, qui est lié à la famille, aux liens familiaux, ou peut-être la famille ne vous encourage pas par rapport à ce changement, n'est pas en accord avec vous, et ça vous met la pression pour certains lions. On parle de voyage. S'éloigner, peut-être aussi. S'éloigner, besoin de s'éloigner de ces personnes. On vous demande peut-être de s'éloigner physiquement ou mentalement. Ne pas les écouter. Et ouais. Faites un tri des un tri de ces personnes-là. Il faut éviter les personnes négatives, hein. Les personnes qui vous découragent dans vos projets, bien sûr. Continuez avec l'oracle des miroirs, avec des compléments d'information pour vous, les lions, pour le mois d'octobre. Ce qui va nous dire, enfin, voilà, un nouveau projet, ou, comment on dit, un enfant, votre enfant. Un souci par rapport à un enfant ou des projets par rapport à un enfant. Ou envie d'avoir un enfant. Ça dépend de votre situation, puisque c'est général, vous voyez, mais bon, on donne les grandes lignes à adapter, bien sûr, adapter à votre situation. Réunion, c'est vous le salon? Oui, il y a le salon. Examen. Enfermement. Et on a la femme, on l'a déjà la femme ici. Hein. Elle confirme la présence féminine, la présence de cette femme-là. Et qui est bonne, hein, parce qu'il y a le chien. Hein. C'est une bonne personne, pas une mauvaise. Par contre, là-bas, il y a les souris. Cette femme-là qui vous aide, qui est à vos côtés, elle va vous apporter son aide, hein, le réconfort. Attendu. Fatalité, alors. Fatalité, vous voyez, vous êtes dans un esprit de fatalisme, correspondance et jalousie. Et, vous voyez, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Et c'est pour cette raison, il faut faire le tri, là. Hein. Il ne faut pas tout écouter. On parle de réunion, examen. Oui, ce nouveau démarrage, bien sûr, il y a une période d'essai. Il y a on vous observe, il y a des tests à faire. Pour une formation, il y a un concours, peut-être un examen à passer.
pour avoir ce diplôme. Y a un jury hein, qui va se former peut-être pour vous. On parle d'enfermement. Enfermement dans ce votre. Je pense là, vous vous éloignez, vous avez envie de vous isoler hein, de certaines personnes ou si vous passez par une période de faiblesse, vous voyez, de besoin de se reposer hein, suite à la santé, hein, on voit, hein, besoin de repos, je pense. Il y a un, ouais. Ou vous, par rapport à ces personnes malsaines, là, hein, vous éloignez, et tant mieux. Prenez la décision, voilà, le changement, de vous éloigner de ces personnes-là. Parce qu'on l'a vu, il y a eu la découverte. Donc la femme, on est bien dans le contexte féminin, le contexte amical, familial ou autre, qui une personne de bonne énergie et de bons conseils, qui est proche de vous et qui vous apporte son soutien, là, cette femme-là. Et puis la fatalité, waouh, vous voyez, on est dans le nadir. Alors qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, et rapide. Mais vous avez des idées négatives, je ne sais pas pourquoi. Une peur peut-être, oui, une peur. C'est une peur en fait, une peur de ne pas arriver, une peur de ne pas aboutir à quelque chose, ou de ne pas réussir. Il y a cette peur profonde en vous, qu'il faut chasser, qu'il faut travailler là-dessus. On parle de la famille, voyez la racine, la correspondance, mise en lumière, on voit plus des choses. Ah oui, je pense que il y a aussi un rapprochement familial, hein, communauté, un rapprochement des personnes que vous n'avez pas vues il y a longtemps, là vous avez envie de les revoir, vous prenez la décision de les inviter ou de leur écrire, de reprendre contact avec ces personnes que vous avez perdu de vue, hein, la communauté, votre communauté. Et la jalousie, hein, la jalousie, on s'éloigne de ces personnes. Hein. On s'éloigne aussi, peut-être, on vous jalouse par rapport à votre travail, par rapport à votre charge, que vous êtes bien occupé, que vous avez deux boulots, trois boulots, je ne sais pas, que vous avez plusieurs activités, que vous réussissez aussi dans votre activité, avec le cœur, on voit. Hein. Et ça attire la jalousie, bien sûr, autour de vous. Hein. Là, voyage. S'éloigner, hein, on vous dit de s'éloigner de ces personnes-là. Et enfin, le tarot. Reader. Alors, quels sont les messages pour les lions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Le message pour les lions pour le mois d'octobre. Une carte. Le message pour les lions. Pour le mois d'octobre. Et une dernière. Hop, hop, c'est celle-ci. Il y en a beaucoup là. 10 de coupe. On est content de ce début, de ce démarrage, de ces rencontres aussi. Voyez là, le succès en amour, succès en famille, il y a le bonheur. Vous vivez un moment, des moments de bonheur en famille, dans votre foyer, avec les amis, mais ou avec votre partenaire. Il y a de beaux moments à partager. Voyez là. Il y a le bonheur. Le fou, on voit. Hein. Vous partez à l'aventure d'un nouveau projet, sur un nouveau projet. 7 de bâton. Waouh. Là, vous êtes confiant, là. Allez-y. Vous prenez une pause. Ouais, peut-être aussi. Vous êtes confiant, mais besoin d'une pause. Besoin le chakra solaire, là. Ouais, de vous mettre dans une bulle, mais c'est ça l'enfermement, c'est de te prendre du recul, mais vous êtes
Dans une confiance quand même, hein, dans un bien-être. Mais besoin de vous ressourcer, peut-être aussi, sur un tapant même, c'est vous ressourcer, de prendre du temps pour son bien-être, pour aménager son corps aussi, parce qu'il y a la fatigue là, on a vu. Hein. Et là, je pense que vous allez prendre soin de votre corps, hein. Besoin peut-être avec la faire des exercices de bien-être, hein, pour développer cette zen attitude. Neuf de pentacle, ça y est, on arrive à toucher le pactole, on arrive à toucher le fruit de ces efforts, de voir le concret en fait. Là, on voit le résultat. Ou par rapport à cette femme aussi, parce qu'on est dans le pack, les cartes de la femme, il se peut, c'est l'aide financière, hein, c'est l'argent inespéré. On la touche là. Ou c'est vous, hein. Ça vous représente, vous, la femme. Le soleil, oh, avec après la fatalité, l'exclamation, le gain exceptionnel, ça vous motive. Ah, ça vous motive, ça vous booste. Il y a quelque chose qui va arriver avec la bonne exclamation, avec certitude, et qui vous sort de cette inquiétude ou de ce doute. On l'a vu, il y avait le doute, ouais, c'est ça. Et l'empereur, bah, il maîtrise, vous voyez, c'est le. Le pion, le roi, il détient le dernier. Et l'empereur, il sait où placer son roi. Le leader. Il est confiant. On y va, hein? On y va, là. Avec la maîtrise du temps aussi, la maîtrise. Hein. Avec le temps, on est confiant. Il faut être persévérant, c'est tout. C'est une question de persévérance et de temps. 6 de pentacle, bah, on est dans les pentacles, dans la réussite. Là, ça promet la réussite. Hein. Avec le nouveau projet, là, le fou, c'est motivant, c'est stimulant, ça vous stimule parce que ça vous correspond, ce projet, ou cette mission, ou ce nouvel emploi. Bah, de toute façon, quel que soit le projet de vie, ça vous correspond et ça vous stimule. Et vous êtes confiant. Quoique, il va y avoir un moment de fatigue ou une période peut-être de faiblesse au niveau santé ou une maladie, hein, besoin de se reposer là. Par contre, là, ça vous indique de ménager, de faire un check-up peut-être ou de voir le médecin pour voir, voilà, pour faire des analyses, pourquoi pas, hein. C'est normal, tout le monde. Presque tout le monde le fait. Il faut le faire de toute façon. Sinon, tout est positif. Sauf les soucis, les personnes, les personnes à faire le tri, hein, au niveau communauté, des personnes jalouses, ou une ou plusieurs. Hein. Là, il y a un avertissement pour les démasquer ou pour s'en méfier. Peut-être vous le savez, vous le sentez. Donc, faire attention de ces personnes-là. Elles peuvent vous déstabiliser, vous décourager, donc avec leurs énergies négatives, ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous décourager. Donc, faire attention et se débarrasser de ces personnes. Ou vous éloigner, hein, prendre du recul. Prendre du temps aussi pour soi. Vous n'avez pas besoin d'être toujours entouré par toutes les de tout le monde. Hein. Faire le tri. 11-11, art divinatoire. La carte conseil pour vous. Là, ah, j'ai deux. L'ange et la santé. Oh, et qu'est-ce que je vous ai dit? Ange et santé. Bon. Vous êtes protégé. Mais quand même, faut faire attention à la santé. Et vous avez la protection divine, vous avez la protection de votre ange. La santé doit être importante pour vous, je veux dire, une question importante, hein. Une notion importante dans votre tirage. La santé, elle ressort. Et bon, moi, parce que la santé, c'est important. Donc,
Voilà, mes chers lions. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de maladie, mais il y a un petit souci à ne pas délaisser. Et pour ne pas l'empirer, c'est tout. Et on finit avec l'oracle des déesses. Ouh, non, trop. L'oracle, ah ben là. Freja, audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Voilà, la déesse Freja, c'est ce qu'elle vous dit, l'audace. Soyez audacieux, prenez le risque et osez. Allez-y, le fou, il est là. C'est pour l'audace, vous êtes audacieux. Voilà les lions, j'espère que ça vous plaît et que ça vous parle. Et je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.